Voilà. Quel coquinou! Quel coquinou! Quel coquinou! Ok, un, deux, ok. Alors! Ouais, je te vois, je te vois. Ok, deux, trois. Ok, y'en a là. Non? Bon. Voilà. C'est violent, hein, c'est violent. Ouh. Oh, c'est pratique, ça. C'est hyper pratique. Franchement, ce combo de perk est hyper violent. Et pratique. Je l'entends, je vois pas. T'es au-dessus? Bon, ok. On va se faire relever, très bien. Mais c'est hyper intéressant, hein. C'est hyper intéressant. C'est hyper violent. Ok, très bien. Je crois que c'est Nina qui a save. Qui a save Xela. Les trois sont là, très bien. Les trois sont là, je vais récupérer, je vais utiliser la compétence intimidée, donc fascination. Ici. Ils vont être tous les trois exposés. On va essayer de finir le moteur. Là, il y en a qui est infecté. Donc je vais tout de suite remonter. Voilà. Là, en portant, je sais qu'ils sont là. Un qui est blessé. C'est hyper pratique. Franchement, là, le combo, il est hyper violent. Lui, il va tout de suite tomber. Lui est là. Oh, c'est tellement violent. Bien vu. Ok. Du coup, je sais où est-ce qu'ils sont. C'est hyper violent. C'est hyper violent. Maintenant, en le portant sur mon épaule, je sais où sont les autres. T'as vu comment c'est violent? C'est suffisant. J'ai vu comment c'est violent. Ok. Je peux pas tourner en fait avant de hit. C'est bon à savoir. Mais il est coincé à la vie scolaire. T'es coincé. T'es coincé. Ok, très bien. Et là, je sais partiellement où sont les autres. Aïe. Désolé. Ok, on sait qu'il y en a un là. On va pouvoir utiliser intimider.
Peut-être qu'ils vont vouloir descendre. Ou pas, hein. Peut-être en passant par là. Ouais, la part. Franchement, les chases sont hyper intéressantes avec ce combo qui se base surtout énormément sur le. Sur la détection. Voilà. Le one shot est extrêmement violent. Là, je sais qui passe dans le coin. Si quelqu'un passe dans le coin. C'est extrêmement violent. Je sais pas si quelqu'un repasse par là. Franchement, fascination, inquiétant. Non, bah il est mort, quel dommage. Fascination, inquiétant. Peur contagieuse. Il y a vraiment quelque chose de violent. Parce que tout le temps, tu montres ta position tout le temps, en permanence. Ça te donne pas d'échappatoire pour rester caché. Pourtant, c'est une... C'est une map qui est extrêmement versatile en termes de... En termes de cachette. Oh. Merci CDMK, merci pour les 30, merci infiniment. Très très grand merci à toi. Merci beaucoup. Mais pour les moves, les dashs, ça c'est un peu plus complexe pour moi. C'est infection. C'est palette. Et le petit mouvement. Oh, petit vomi. Peut-être passer devant moi là. Non, ok. Il est juste là. Ok, il est remonté. Non. Ouh. Et ce maléfice. Ok. Bon, très bien. Oh. Je vois. Je vois. Bon, ils sont là-haut. C'est très compliqué hein, pour se cacher. Détecter les gens. Hein? Il pleut des fengs? Il pleut des fengs? I expected more from you. Et on les voit. Et je peux directement lâcher. J'ai inquiétant qui est actif. Enfin, fascination en l'occurrence. Donc je sais ici qu'il y a quelqu'un. Je crois même qu'il est descendu. Non? Ok. Il suffit que je porte sur mon épaule. Le. Voilà. Il a utilisé le produit. Et le deuxième. J'ai juste à le porter sur mon épaule pour savoir où est le dernier. Bah. Ah! Détection. Aide-moi à savoir où sont les derniers. Voilà. Juste à... J'ai juste à les récupérer. Au revoir. Non, je dois faire un deuxième move. Une fois que j'ai fait un premier saut, je peux pas faire un deuxième dash. Ah, je crois qu'il a confidentiel. Je crois qu'il a confidentiel. Là...
Bien sur mon épaule, je peux peut-être détecter les autres. Ah, c'est hyper violent, hein. C'est hyper violent. Je peux. Je les utilise. J'utilise celui qui est sur mon épaule. Voilà. Je sais qu'elle est à droite. À 20 mètres. Est-ce qu'elle est. Ok. Ouais, franchement. C'est hyper violent. Toute la détection, l'accessoire pour détecter peur contagieuse. Tu peux pas te cacher. Ou quasiment pas. C'est vraiment un détecteur à survivants. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que ça fout la pression en permanence. Ça, c'est ce qui compte. Ah non, c'est pas... Je pense que c'est la... Je pense que c'est le sort. C'est le Boon Totem qui cachait les empreintes, je pense. C'était pas confidentiel. Un, deux... Je pense que c'est le Boon Totem de discrétion. Voilà. Oh. Ah, c'est le Boon Totem. Ok. Je sais maintenant que les deux sont là. Juste à m'approcher par là. Pour voir si je remarque une aura. Ouais, je vais mettre ses cours quand même. On va sentir que ça va être suffisant. Non, c'est le cas. Ok, leur partie. Ok. Je sais maintenant qu'il est là. Et surtout qu'il y a la compétence fascination qui active. Juste à trouver un moyen d'aller à gauche là. Est-ce qu'il y a le cas ? Ah. Compte jouer ce tueur à l'avenir ? Oui, je pense que je vais. Je vais en effet l'améliorer. Parce qu'il est intéressant à jouer, il est intéressant. Je trouve que ça apporte un petit vent de fraîcheur. Sans que ça change, révolutionne le jeu. Hein. Je trouve que ça apporte de la fraîcheur. Et que c'est intéressant à pour des chases. Je trouve ça hyper intéressant. Raconter un petit temps d'attente lorsque tu as fait ton premier dash, ton deuxième. Ouais, ça change tout, hein. Ok, qu'est-ce qu'on fait ça ? Ouais, il est assez satisfaisant le. Au voleur ! Au voleur ! Au voleur !
palette. Bah ouais. Parce que là, ça se déplace vite. Ok. Il y en a un là. Et le deuxième là, qui est parti vers la porte de sortie. Qui est caché juste là. Je te vois. Ouf. Eh ben dis donc. Alors le one shot là. C'est inquiétant, c'est Fascination qui a été rework. Et qui apporte ça. Parce que quelqu'un... Wow. Et on a vu le dernier. Qui est juste là. Ok. Qui tente une sortie. Par là. C'est très satisfaisant. Très très satisfaisant. Ok. Je sais pas si c'est, il s'est caché le dernier. On va voir s'il est là. Ah oui. J'ai l'impression. Non. Oh. Bon, très bien. Je passe Lug, je vais récupérer. Je vais laisser Xela s'enfuir. Mais waouh quoi. Oh. C'est assez assez impressionnant. Hein. C'est assez impressionnant. Aïe! Toutes ces gifles là! C'est l'heure, Nicolas. Non, pas top tier. Rafraîchissant. Rafraîchissant, rafraîchissant. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais m'approcher et le survivant va... Bah voilà. C'est le genre de tueur où, comme avec le lance-mort, tu restes pas à la porte de sortie.